amène des plats. Les prêtres leur amènent des plats. Il y a une volonté, il est très conscient du travail qu'il nous fait en même temps et qu'il nous fait ensemble avec eux. Parce que c'est une assemblée, tout un camarade qui va participer et nous avons la belle pointe aujourd'hui. Parce que je vais démarrer. L'idée de venir, il ne réplique pas, il n'en sait pas qu'il y a pour moi un bon camarade. Beaucoup de batailles, mon père qui gagne. Et quand on retourne Maurice, ça fait 7 ans, depuis la postale. On a regardé une autre chose. Je vois beaucoup de choses politiques internationales, nationales, régionales. Là, un jour, quand on vous a dit que moi, je vais venir à l'aise. Pour ceux, un jour, il va parler. Une vieille constitution qui nous gagne là, depuis 1968, nous avons fait un travail. Là, M. Tola, on a dit, on vient à la première, comment dire. Là, on fait une première réunion dans l'atelier du Ligne. Il y a 4 camarades, c'est la Milan, c'est la moi, c'est la région de Nossingen, c'est le Sven. On commence les tabacs sur un poids à ça travaille là. À partir de là, je fais une veine, on fait une première réunion dans le Quai Saint-Louis. À partir de là, déclassé dans le Quai Saint-Louis parce que je vais bien discuter pour faire l'escalier, de la dame de votre monnaie. Je fais un lidant. À 4 heures, parce qu'il faut moi bien. Elle me fait à peu près, une 20 réunions à 25 réunions de terre. Covid finit, on est un peu devant nous. Malgré Covid, on défie Covid, on travaille à la table, les hôpitaux. On doit aussi bien un accord. Comment est-ce qu'on est capable d'arriver à un changement constitutionnel? Une constitution, c'est qu'elle est héritée à partir du 12 mars 68. Une constitution correcte, une constitution dans l'ensemble du bon, mais là, dans 2 semaines, nous voyons 55 ans d'indépendance. Vous pensez, une fête qui nous infère, il y a une grande personne qui n'accompagne pas la constitution. Un texte qui m'a fait moi, c'est qu'il m'a sait faire dans 10 ans, des 68, en 90, quelle manière un grand événement il accompagne sa constitution. De manière une grande décision de prendre, on accompagne sa constitution. Et maintenant aussi, au niveau de la Cour de justice, la Cour suprême, une grande zone qui est contribuée pour être sa PIA. Vous voyez, là, on parle à la présidente du monde, Soumerala, les deux Soumerala, un grand vendu dans la Cour, on accompagne sa constitution, qui place un jugement autour de sa constitution. Une constitution, tout un camarade, à l'unanimité, entre nous, nous a révoqué. De fond en fond. Ce qui nous fait demander un changement de constitution et une participation avec tout le monde ensemble. Hein? Tout le monde on board, que ce soit à l'intérieur de Maurice, partout, tout le être causé en même temps de discuter, en même temps d'être capable d'accomplir une nouvelle constitution. Alors, avec ça en tête, on passe la parole au camarade Tabulal, il prend la raison sur l'idée, sur l'esprit, comment il trouve, lui, nous en aborde un peu ça, avec je participation. Ensemble. Dans une publication qui m'a un journaliste gagné, mais qui m'a assez copie de l'intérieur, on fait une présentation de mes propositions de la nouvelle constitution, un journaliste qui m'a passé de l'année dernière, et on publie aussi une publication, il y a 13 publications depuis 2003, 21. Dans la direction pour l'une et une nouvelle constitution. Mon disait au départ, remercier des camarades. Si mon camarade est des camarades. En premier lieu, Madame la Président, je passe des heures chez lui et à la maison pour moi pour discuter de la constitution. L'une éclaircit une série de questionnements qui me tiennent. Et d'ailleurs, l'argumentation qui me met comme un cornerstone de sa nouvelle constitution-là, c'est la liberté de la personne humaine qui ne suit pas constitutionnelle. C'est-à-dire la liberté de penser, la liberté pour se mouvoir, la liberté d'écrire, la liberté d'écouter, la liberté de la personne humaine. La liberté, ce n'est pas les libertés des citoyens, c'est la liberté de la personne humaine.
Tout comme il est au même 3-4 coups en sa volée, il s'est attaché tellement avec sa principale. Pour finalement, dans sa conclusion, lui dire sans la liberté de la personne humaine, la PNL république. Parce que si Banjimoun jouit de la liberté de la personne humaine, ça va créer et vote une constitution républicaine. Ça, c'est un cornerstone de toute ma réflexion. Mais j'ai content de remercier aussi Robert-Anne, qui paraît très austère quand il se juge, mais dans son lieu de résidence à Montréal, plusieurs fois, et même ma note qui envoie moi, il était ainsi beaucoup mon compréhension sur la constitution actuelle. Par exemple, j'ai tout le temps pensé que le système référendaire pétissait la constitution, et moi non, je ne vais pas faire le référendum, mais si moi ne pas utiliser pour une raison ou pour une autre. Ceci étant dit, qui m'a six autres principes qui vont considérer fondamental dans lesquels beaucoup de moi-même pour élaborer. Bonne cause, le point le plus fondamental, c'est la liberté de la personne humaine. Deuxième élément d'importance, c'est l'écriture de notre constitution. Tout mon camarade, il y a une copie constitution de notre pays. Le WhatsApp, le projet, le gagne, il y a une constitution de qui paye. Donc, il y a une question de constitution. Non. Tu as une copie? Non. Notre portable, il n'y a pas cette copie, il va revenir. Alors, dans la constitution actuelle, le premier chapitre n'existe que la ligne, des phrases qui supposément décrivent la constitution en disant que Mauritius sont une souveraine démocratique cité, une chambre non à la République de Mauritius. Et deuxième énoncé, la constitution is the supreme law of Mauritius and if any other law is inconsistent with this constitution, the other law shall, to the extent of this inconsistency, be void. La question qui est posée, c'est est-ce qu'il nous capable contente nous d'un premier chapitre qui est aussi court que ça? Le débat est fait dans la salle MCR aux îles, que justement Robert ici présent, et ici la seule vue, qui s'y porte à un point de vue différent, pour dire qu'il devait rester formalité, alors qui nous capable de faire le premier chapitre, mais un chapitre fondamental, qui aucun parlement n'est pas capable à manger sans passer par le système référendaire constitutionnel. Dans ce premier chapitre-là, vous considérez qu'il y a cinq éléments qui sont incontournables. D'abord, il est écrit à sa constitution-là pour qu'il livrait avant le 12 mars 2024. Camarade Nansingen pensait qu'il nous ait publié avant décembre de cette année-ci. Vous pensez qu'il s'y mette le paquet, le caractère. Ça, c'est vrai. Deuxième élément, c'est la citoyenneté. La citoyenneté de ceux qui naissent Maurice, qui restent Maurice ou qui naîtraient, la citoyenneté n'est pas capable d'être enlevée. C'est-à-dire, aucun Mauricien n'est pas capable de vivre sans État, sans appartenance à un État à Maurice. Dieu. Ça, c'est important parce que dans beaucoup de pays, on enlève la citoyenneté pour éliminer le droit. Troisième élément, nous connaissons la liberté de la personne humaine, qui est dans l'alinéa 3 de la nouvelle constitution. Et puis, ce qui est plus important, beaucoup de monde suivent l'aime. Beaucoup de monde suivent l'aime. Dans Maurice, on m'a causé, on nous a critiqué maudit, mais ouais, des autres prières. On se dit, maudit, un Dieu, un God after God. Une petite petite monde, comme c'était ancien premier ministre. Alors, en l'air, il y a ce qu'on appelle la suprématie constitutionnelle, pas la suprématie parlementaire. C'est-à-dire que la Constitution vient comme on dit dans le chapitre, la loi fondamentale, et la loi fondamentale, ce n'est pas le Parlement qui est établi, et ce n'est pas le Parlement
qui en est très important, qui nous passe à ce qu'on appelle la suprématie constitutionnelle au lieu d'une suprématie parlementaire. Et l'autre élément important que vous considérez, c'est qui dans la constitution de l'Inde, c'est la plus longue constitution. Nous suivons l'Inde, mais l'Inde quand il est sous l'indépendance en 47, le 15 août, si on m'a trompé, le 14 étant le Pakistan, l'Inde, il met client au travail et le 26 janvier 1950, il a adopté une nouvelle constitution. Nous, nous avons encore une constitution qui est signée par la reine d'Angleterre dans Buckingham Palace encore en avril 68. Alors, ça c'est un élément important dans l'Inde. L'Inde décrire ce l'État comme étant souverain, socialiste, séculaire, démocratique, république, quand il a la place à justice, equality, freedom and liberty. Quelle constitution l'aime? Quelle constitution? Comment voulez nous pas trouver une situation que ça dimoune et un intérêt pour cette constitution-là qui est assez parfois je ne peux pas comprendre dans quel pays il existait, alors qu'il y a une référence très intéressante dans la constitution sud-africaine. Mais là, Maurice, dans son histoire, on appelle ça l'espace-temps. C'est-à-dire, à travers le temps et l'espace, nous avons un lien avec la France, nous avons un lien avec l'Angleterre, indirectement nous avons un lien avec les États-Unis, nous avons un lien avec l'Inde. L'Inde en va 47. C'est-à-dire, la grande péninsule, le Pakistan, Bangladesh, Tchanko, dans l'Inde. Très souvent, quand nous causons une l'Inde restreinte, ce n'est pas ça l'Inde qui nous annonçait une sortie. Nous annonçait une sortie dans la grande Inde d'avant 47. Alors, nous sommes là pour mettre l'emphase là. Et c'est que ce premier chapitre là, il est un chapitre fondamental qui cause nos constitutions, qui cause la terre, the land, the people, okay, citizenship, tout ça m'a fait fondamental, the cultural and philosophical and religious, the republic itself, nous cause l'eau là-dedans, l'eau de Republic of Moriches et de Democratic Republic, the Republic of Moriches et de Socialist Republic, the constitutional powers, the first power is that of the people, the second power is that of the legislature, the third power is that of the executive, the fourth power is that of the judicature, and the fifth power is that of institutions and individuals who makes public opinion. Cinq pouvoirs. Et quand nous rentrons là-dedans, nous causons nos sovereignty, c'est quoi? Freedom, liberties and rights, et nous pas capables bien qu'une nouvelle constitution sans le code de la propriété. Parce qu'une société n'est pas réalisée sur cette superstructure politique ou cette suprastructure idéologique, il est aussi sur l'infrastructure économique. Et c'est là que les contradictions levées entre une classe sociale, entre une catégorie sociale et une institution. Donc, dedans, nous avons le personal property, social private property, pour ne pas dire qu'il y a une entreprise ou un jeu de la case, public property, qui est signé avec tout, et universal property, parce que nous pouvons rentrer dans un monde unifié, peut de l'eau, l'air, une série d'éléments dans le domaine de la population mondiale. Très peu de personnes réalisées. Qui, parce que la Terre coupe verser de 23 degrés et quelques, il y a une grande différence entre la région du Nord et la région du Sud. Le climat détermine beaucoup les rapports humains à travers le monde. Les besoins d'un petit monde dans l'hémisphère Nord n'est pas pareil pour un besoin d'un petit monde qui reste dans l'équateur. Et une plaque tectonique bougeait, d'ailleurs nous avons une plaque tectonique qui coulait quand elle bouge ça, il a été trop loin en bas, il y a un gaz, il y a tout, d'ailleurs, il y a des équipes extrêmes déjà,
Alors, dans ce contexte-là, il est important de réaliser que dans notre sous-sol, de la même richesse que l'humanité disait, il n'est pas partout pareil. Ce n'est pas une interdépendance, c'est une universal property qui nous faisait développer. Et au dernier point, avant que the right of the nature, pour un écologiste, très important, c'est défini à lui, Declaration of the Citizens of the Republic, et Constitution for All, et dans la Constitution, le droit de se révolter constitutionnellement quand le gouvernement au pouvoir n'a pas respecté ses engagements et la Constitution. C'est-à-dire la révolution, la révolte, il n'est pas constitutionnel. Ça veut dire que nous rendons une manifestation que la police tient. Et dans le dernier élément, c'est le système référendaire. Le système référendaire consultatif, le gouvernement vient consulter de temps en temps pour une question importante. Le binding referendum, qui bind le public pour une grande question. Bien monté que Poutine peut poser. Comme si dirait, il n'y a pas de place dans la Russie pour un Timon, par exemple, qui traite de titularité autrement. Alors qu'il est une république, la liberté de la personne humaine, c'est une sécurité, personne n'a pas critiqué, ne pas être condamné pour ça. Ou libre de ou libre, donc on rappelle un petit peu de James Conaille, quand il a justifié la cote numérique. Vous voyez, pour ça, on tient un jugement, une série de section 8 de la Constitution, pour justifier qui le gouvernement a un droit oblige de dire tout ce l'emploi. Vous voyez, vous traitez l'emploi d'un Timoun comme la terre, comme une propriété tangible. Vous voyez, comme ça, vous voyez, Bizdal, c'est pas juste sur les corps, c'est aussi cerveau, sur l'esprit, rapidement ou pourtant, il y a une entité qui n'est pas capable de séparer, comme si dirait, vous l'empêchez de vos propriétés, qui met quand matin, quand la loi qui dit, je coupe la main, pas toi ça. Donc, il dit, on enlève la main, on est plein de propriétés. Mais là, il y a une aberration dans mon jugement, qui me laisse ça à mon jugement, qui est tiré à mon jugement. Et la constitution référendum, c'est-à-dire qu'on vise un moment de la constitution, après la periodical référendum, appliqué quand nous faisons l'élection. Vous voyez, nous dépensons l'argent uniquement pour faire voter tous les 5 ans. Nous n'avons pas ensemble à voter. Nous n'avons pas le vote d'abord, nous députés de l'endroit. Nous n'avons pas le vote, nous partis, parce que Pécoles-Tierpès nous mettre un système de parti liste. Et nous n'avons aussi pas le voter. Il y aura une question qui va un parti politique lui proposer et qui ne va pas consulter la population. C'est le moment dans l'élection qui aura un droit au PAD ou donner une opinion sur une série de questions qui appelle le periodical referendum. Voilà. Alors, pour les élections, pour la Constitution, moi personnellement, j'ai signé écrire le premier chapitre, j'ai gagné du temps, et proposition pour élection, qui est définie, vous pensez, moi, qui une pièce capable de faire le reste, dans les finances humaines, de Joseph, Alain, Milan, une portière, on va réfléchir au récit, c'est-à-dire aux choses d'aujourd'hui. Et voilà, mes amis, les autres concernés, il y a un noyau de 6 personnes, ces 6 personnes-là, pour repasser les différents. L'endroit de toute l'université, ou collaboration, l'ILA. D'ailleurs, la Constitution, quand il est sorti, s'ils avaient une divergence entre un et un Adam, nous prenons les deux propositions, nous mettons dans la Constitution, à la fin, c'est la population qui vous votez, et nous bien capables aussi de faire nos propres votes, c'est-à-dire que quand la Constitution est passée, qui fait nous pas organiser l'élection pour guetter. Qui est l'opinion publique? Voilà mes amis, on va quitter sa activité là. Souhaitons qu'il nous capable de faire comme un enseignant de BDS avant la fin décembre. Merci d'en avoir. Merci. On fait une grande chantier devant nous.
façon, chacun aujourd'hui, il y a à peu près 32 constitutions différents pays. Une 32 pays aux constitutions, ils s'intéressent, ils réfléchissent, alors il y a une action à faire. Alors, on vous passe la parole à Thomas Michelin pour élaborer sur la constitution. Merci bien, camarades, pour votre présence aujourd'hui. Nous sommes vraiment bien avocats, nous légistes, nous constitutionnalistes. Et nous avons le privilège de lire tout le dossier concernant l'évolution constitutionnelle à Londres dans les archives. Il y a tout ça thinking behind the making de la constitution de 1968, tout le monde les conférences constitutionnelles, les débats qui viennent à Londres, etc. Il y a beaucoup de d'ouvrages qui sont aussi incessamment. Ou l'évolution constitutionnaliste de 1947 à 1968. Parce que vous pensez que l'histoire est extrêmement importante quand on interprète une constitution. Trop souvent, quand on met une constitution, on met des choses avec technique sur la loi. Mais est-ce qu'on ne construit pas avec qui nous ça? Vous avez de la thinking behind the making of that particular clause. Quand je viens en Amérique, je viens sur l'aspect historique, ça va me faire travailler à faire. Donc, c'est un peu ce que vous m'avez fait à vous mais aujourd'hui, nous avons 17 points qui m'ont considéré fondamental, qui souvent oublié quand on analyse une constitution ou un régime politique, c'est-à-dire le régime des partis. Prenez une institution clé dans toute démocratie, c'est toute une démocratie parlementaire à Westminster, c'est les partis politiques. Je ne veux pas votre un député indépendant, votre un parti. Donc le parti système, la structure des partis, comment ça fonctionnait, comment ça interagit entre eux-mêmes, extrêmement important pour nous aider quand on veut l'évolution de la démocratie. Et ça, les Britanniques nous trouvent très très vite. Vous voyez, après 48-49, les Britanniques ont décidé qu'ils ont exporté la démocratie Westminster dans tout le monde. C'est une décision, c'est une décision claire de lui, dans le même confidentiel. Mais très vite à Maurice, comment je commence ce système d'export du Westminster système, très doucement, je trouve un dilemme. C'est-à-dire, quel type de parti politique est là? Très vite, je trouvais qu'ils ont créé un parti système, ou moins, un tout parti système, mais un seul parti qui existait réellement à l'époque-là, c'est le Voice-Rise. Le Voice-Rise, alors, c'est différent. Hein? C'est dans plusieurs courants, le syndicalisme, le travailliste, l'intellectuel. Même un artisan qui n'a même pas se gérer dans l'exécutif. Du coup, ça n'est pas le cas. Mais le parti mauricien, pas intéressé du même parti. Les autres forces, c'est le même dominé gouvernement qui s'y présente eux, à tel point qu'ils viennent britanniques vont faire de sorte que le parti conservateur développe le parti mauricien. Comme vous pouvez dire, c'est le parti conservateur britannique qui vient et développe la structure du parti mauricien. Eh bien, est-ce que je parle de ça, mais est-ce que moi, je fais de sorte, quand je développe la conscience, je fais de sorte qui, même parti, pas gagne un problème. Donc, c'est, par exemple, quand on met la crise de 56-57, la crise de Pior, c'est une tentative pour mettre le proposition de l'État des jeunes. Une même raison qui se tue à ce métier-là, c'est parce qu'ils ont trouvé que ce système-là crée un problème à l'intérieur du SRS, parce qu'il y a un candidat de la guerre du pays. Donc, il crée un problème dans l'évolution d'un parti système. Après, quand je crée le Remember Consciences, je fais de sorte qu'il observe trois dimons, pensées dimons. Si vous pensez dimons, il y a un problème. C'était une raison. La raison aussi, c'était pour créer le parti. Le dimon développe le parti. Et nous connaissons comment il est déroulé en 70-70, on est plutôt avec les gens de la même. La même, c'était le mouvement. Hein. Un mouvement au départ, il faut démocratie. C'est dans ce même branche, on peut avoir des détails, des comités centrales. Etc. Avec des sources en collectif, le conseil de CSG général qui se côté, qui n'a pas encore de l'État, mais c'est un parti politique. Mais aujourd'hui, quand nous mettons la situation du parti politique, si on a un résumé du parti politique dans le risque, aujourd'hui, nous nous retrouvons avec le même parti politique à décrire comme des partis personnels, non démocratiques et non collectifs. Un parti qui tourne, c'est un constat, on peut être une personne. Un parti qui tourne autour d'un dimon qui, dans certains cas, arrive même jusqu'à installer une dynastie. Donc, ça,
réimporter le système en 5 ans, c'est pour ça que l'histoire est importante. Qui n'a plus besoin de dire? Et qui n'a arrivé et qui l'impact qui est là, l'homme du système en entier. Par exemple, nous disons que c'est un peu plus bon dans nous. Mais les Égyptiens, c'est le cabinet. Dans le cabinet du système britannique, le cause de système, le premier ministre n'est que le primus inter pares. C'est le premier parmi ses pairs. Et le système Westminster est basé sur checks and balances. Mais le premier check, le premier ministre, c'est quoi? C'est son parti. En Angleterre, Boris Johnson, Fanny. Cinquième. C'est son parti. Suisse, il y a c'est son parti, pleinement accrédité. Donc le parti politique démocratique et politique, il agit comme un check and balance dans l'intérieur du système. Et ça fait un système dévoyé, dérivé, des problèmes. L'autre côté, quand on pose un système démocratique à la Westminster, on a l'alternance. L'alternance, il y a plusieurs aspects, pas juste mécanique, hein. Il s'agit encore d'un premier ministre, il y a un leader parti, il y a dans une élection, une PNH, parce qu'il y a plusieurs casseroles. Et en vivant sur le parti, sur le parti, il y a une élection, normal, elle ne peut plus venir, parce qu'il va pouvoir écrire la même élection la prochaine fois. Mais Maurice, c'est un parti personnel, non démocratique, il est déjà approché. Là, quand il est pas approché, il y a plusieurs aspects. La différence est plus difficile, parce qu'il possède une élection, peut-être même sa mère. Donc, il y a un élément de thinking qui s'y applique, ou pas de même problème, on dit. L'autre aspect en cours, il crée même dysfonctionnement. Quand il y a un parti personnel, il y a une élection qui fait perdre. Il génère une crise interne dans le parti. Parce qu'il a, quand il y a un problème, il y a une dissidence. Dissidence qui perd. Ou élargit le nombre de partis. Qui dissident qui sont aussi, ils prennent le parti. Le gars qui sont politiques, Maurice, qui est là. C'est facile pour vous. Une série de fragmentations politiques à cause de ce système de parti personnel là. Donc, c'est pour ça que vous pensez, nous disons, réfléchir carrément loin. Le casque, le problème de renouvellement. Le renouvellement, si un leader ou un problème personnel approché, il pose un problème de renouvellement, il pose un problème de dépassage avec la génération montante. Parce qu'il y a une jeunesse qui s'est pendant trop longtemps. Et ça, bien sûr, quand même, comme vous pouvez, un jeune, ce, à peu de plus de renouvellement, l'abstention, je parle de vous autres là-dedans. Pas de laisser un nouveau leader émerger. Donc, en plus, c'est même l'aspect qui est fondamental. Quand il pose le risque, c'est très pratique, il pose la question de gouvernance. Mais la bonne gouvernance, il s'impose dans le parti. Hein? Mais le problème, dit vrai, et ça, ça l'aura, dit vrai, qui prend des belles rapports, même s'il y a du renseignement britannique, politique à l'intelligence, services, vous trouvez, et qui, tout le courage, qui gros capital, de l'histoire citoyenne, qui vient dans tous les côtés, se sent droit, je viens de le côté, parce que c'est pas ce que c'est, mais c'est ce qui est à Paris. Je parle trop intérieurement, vous parlez tout de suite, on m'a dit, c'est mort. Qui passe sur Tchampi, qui parle de l'Ivoire Sicilienne. Donc, si le l'Ivoire Sicilienne a finance d'un parti sans contrôle, tant mieux pour maintenant pour la vie. C'est la situation que tu comptes. Et là, mais bon, c'est une voie économique et une voie politique. Si une voie économique est encore sur une voie politique, tant mieux pour l'Italie. Et tu as une hypothèse, ça va être pour là. Mais c'est moi, après, vous connaissez, aujourd'hui, il y a le problème plus grave. Et là, le problème de l'Église, etc., qui est une influence de politique, en même temps. Ils ont dit, comme le trajet par la guerre, il y a quoi, le tout à fait, c'est-à-dire, la problématique, quand il y a une gouvernance, dans les fonds de provenance du partenaire, il y a une opacité totale, qui garantit qu'il y en a un qui met un fonds toxique par an, personne n'est possible. Et quand il y a le danger d'un empoussé, il y a une gouvernance dangereuse. Il y a une gouvernance dangereuse. Donc, c'est-à-dire, ça vit, parce qu'il y a une opacité qui est en Maurice. Par exemple, je te dis, un petit peu de temps, c'est bien parce que je dis non. Dans ces discours, les jeunes sur ce système, à l'élection, on n'a qu'un contrôle au financement. Donc, maintenant, c'est un problème financement ou pas. Problème, et après, si elle-même dit pas que vous avez dans l'État, après, il y a une question aussi. Quand nous prenons, c'est un rapport fait par la Commission, un rapport qui commençait par l'Union européenne, lors du financement des partis politiques. On dit à partir des 2000 voilà, ils trouvent exactement le problème d'un fonds toxique en fait, mais le problème est posé. La question du financement par un fonds de puissance étrangère, une fois que c'est ouvert, ils se posent la question.
Et là, nous pouvons nous connaître Maurice qui est dans une situation très dangereuse pour le monde politique. On va faire des détails parce que c'est aussi un groupe mondial, Maurice, stratégiquement bien situé, qui dit à nous qu'il nous paie dans un fonds étranger qui rentre dans un parti politique. Parce qu'il y a une opacité totale. Et c'est moins dangereux pour une souveraineté. Et c'est moins dangereux pour une politique, pour une politique étrangère autonome. Donc, c'est là même une nature terrible. L'eau est important, une structure de partie en l'Est. Donc, il y a lié en toute objectivité, pas la carte personne, mais il est fondamental qu'il nous réfléchisse nous là. Comment on dépose un changement de constitution, qui moyen, d'éligibler, on fait ça, pour aller l'avant, comment pour légiférer ça, comment, c'est ça une philosophie, on pose la question, on donne certaines solutions, pour répondre par les partis, etc., et le règlement des partis, et aussi que le public aussi vienne avec une proposition décidée par la Constitution. Merci, madame. Bon, le simple analyse de la Constitution et un mouvement politique, d'une façon, comment même dire, ça démontre ce qu'il préférera, mais il y a un consensus tout du monde derrière chacun d'un analyse, ce qu'il peut dire, exprimer une de deux choses, c'est-à-dire, continuer à porter la base d'un consensus que nous capables d'un changement constitutionnel avec la participation de plus du monde, pas une des pilaros, une des pilaros pas. Et c'est pour ça même que nous insistons, nous avons un avant-dialogue et un rencontre à travers texte de spécialité, une même manière qu'on en donne collectif. Il y a une médaine partage avec la gueule qui nous aimerait à partir à la fin cette année, si possible, nous capables d'un consensus pour un changement. D'abord, merci M. le Président. D'abord, mon deuxième mot bien honoré qui nous fait partie de ce groupe-là. Comme tu l'as dit auparavant, et après, il est arrivé que le combat de Jack nous demande un certain territoire pour réfléchir aux constitutions. Et bien sûr, parce que nous, en tant que citoyens, pour réfléchir aux constitutions, on nous demande si pas du bon vivant. Qui peut arriver dans un pays membre? En fait, énorme. Il y a beaucoup de choses qui peuvent bien dire, mais beaucoup restreignement parce qu'il vit dans beaucoup d'états. Moi, pourquoi, tout à l'heure là, Jacques Rizal, à juste titre, lui pose la question. Donc, Jacques Rizal, lui, il dit à que la chose la plus importante, c'est la liberté de la personne. Sans sa liberté, là, on n'est pas capable de construire une structure politique qui reconnaît le droit de cette personne-là. Mais il y a tellement de choses à dire, mais pourquoi mon cousin, quand même, tout ce qui est parti de ses affaires, mais maintenant, pour qu'il nous vienne, comment il est arrivé. En dehors de cette question de l'individu, droit de l'homme, il y a souvent le mot qu'ils ont employé, nation, et ensuite, ça amène-moi à la question de souveraineté. Et souvent, nous, Mauriciens, nous avons compris que c'est souveraineté. Par exemple, c'est un pays qui prend au pays, ou prend une île, c'est pas un démocratie, ou bien il prend un légal, mais il perd une souveraineté. Mais nous, Mauriciens, nous pas senti ni, nous pas vraiment senti ni. Et c'est là que moi, vous voyez important, qu'il nous rentre dans une histoire, pour comprendre qu'il fait, nous fait dans sa sentiment, cet esprit-là. Bon, vous essayez d'expliquer rapidement. Premièrement, un des grands problèmes, souvent, tu disais qu'il y a une nation, une belle nation. Une nation, normalement, c'est un peuple qui est dans une seule race, une seule religion, une seule culture, tout ce qu'on voit d'autre est une nation. Nous ne sommes pas une nation. Nous sommes un assemblage d'entités culturelles venant de plusieurs pays du monde. Premier point important. Ce qui fait que nous payons, le fait qu'ils ne partagent au fond la même histoire, ne pas quelque histoire de la même manière, parce qu'une histoire sectionnée, c'est pas une conversée de 715 à 835 et à 1768, chacun prend un bout de sa histoire qui lui concerne, les autres ne sont pas concernés. Alors donc, ça est un problème. Deuxième problème, là, c'est un problème donc, culturel. On va expliquer qui fait. L'État français peut gouverner. Il peut gouverner le pays, 715, y arriver, Anglais conquérir le pays, l'Anglais a mis sur le nouveau la loi. Mais Anglais, maintenant, l'État est dans le pays, ils ont fait plaisir, ils ont un grand blanc de l'époque, grand français,
dans un plaisir parce qu'il est dans un pour protéger notre intérêt et empêcher que la France a le prochain pays là et rattrape parce qu'ils ont fait l'objectif, c'était pour conquérir l'Inde. Bon, qui fait pour dire ça? Dans sa transition, les gens nous sont 815 000 livres. Et dans beaucoup de la loi, on dirait, nous pas connaît, nous finissons une cassure, nous sommes d'une psychologie, un système de gouvernance français, d'une bascule dans le français. Et ce qui est grave, ce qui est triste, alors, c'est que, comment vous dire, nous, nous sommes descendants, pas d'esclaves, pas de laboureurs, pas de boutiquiers, nous payons notre bagage historique qui permet de comprendre qui va passer là. Nous ne comprenons pas qui va passer. Et alors, là, la chance qu'on va vous gagner dans la vie, pour certains, on va étudier, pourquoi des choses, je dirais, une petite affaire pour illustrer ce qu'on veut dire. Aujourd'hui, Maurice, vous sentiez-vous quand même, vous pouvez dire, au même pays, mais en tant que nation, on va posséder grand chose, ça c'est qu'on dirait l'étang sous les Français. Maintenant, dire-vous, à l'âme de nous, la terre, combien encore, combien comme étoiles, de nous, 4 ans, on cultive ça, tu vas le cultiver, on rend ça aux paysans, on rend ça à l'État. Mais l'État nous semble qu'il fait sa basculade entre le régime français et le régime anglais. Nous n'oublions pas qu'il est arrivé. Des choses qui, aujourd'hui, il n'est pas normal, autant dire qu'il y a la rivière, pas de montagne, pas de mont, pas de monde, pas de bourreau, la porte de guerre, au secteur privé, il n'est pas acceptable. Parce que, il y a une cassure de pas comme l'histoire. Mais là, on peut donner l'exemple d'un pays qui est dans sa formation politique, économique, science po, qui comprend qu'il vient d'arriver dans sa transition-là. On prend le peuple algérien. Sur le peuple algérien, là-bas aussi, le français vient de venir, prend la terre, le sol, le bâtiment de Bardet, ça pousse, et se fait transmettre de génération en génération. Mais l'État ne se finit pas l'exploiter. Là-bas, il y a besoin de retourner ça déjà. Bon, il ne risque pas de retourner. Dans un thème. C'est ça bien. Alors, mais en Algérie, le français, ben l'Algérien, mais je prends conscience, parce qu'ils sont un peuple, comme dire, c'est une langue, c'est une culture, je connais ça pour eux, qui se faire. Je passe avec la loi. Zou, l'Algérie vit l'indépendant. Tout ça, pas une histoire, la terre qui est de nouveau en concession, là. Scrap, tout ça retourne à l'État. Boros, pour l'État, ça. Il ne peut pas apporter des points d'individu. Ou dire, bon, c'est pas quelque chose, je ne peux pas être pauvre, je peux être suicidé, ça apporte des points d'individu. Il n'est pas acceptable ça. Ça t'envoie à l'État. Alors, donc, qui m'en peut dire? Nous misons quelque chose parce qu'il nous ignorons, nous mettons un bagage culturel, nous mettons une connaissance historique, nous mettons une formation, parce qu'il nous mettons un descendant, un peuple bien humble. Alors, donc, c'est quoi m'en peut dire? Là, nous mettons une nouvelle constitution. Moi, je vais dire une nouvelle constitution pour résoudre un bizarre là. Vous avez pensé les droits de l'homme, les droits du citoyen européen, et moi, vous pensez que c'est ce des plus importants qui existait, parce que souvent, on finit sur cette question, la question de la terre, le pauvre misérable, il n'a pas leur coupe, il n'a pas pied, puis il n'a pas pied, si vous êtes fou, les autres, vous dites que la terre n'est pas fou. Raisonnement, il y a une grosse intercession, je vais vous croire, ça, c'est bien, bien important, il faut travailler là-dedans, il faut faire restituer, ça va être tribunal qui est prévu là, pour qu'on redonne le bien, parce qu'il n'est pas normal. Nous ne pouvons pas continuer à voter sans ans, la thèse n'est pas une groupe, il va accepter ça. Et tout ça, et dans le film, madame, bien malin, donc beaucoup de gens vont poser dans le mobile, et pourquoi on va le plus rapidement. Ça qui va me dire pour toi, c'est rapidement. Les gens, Jacques Germain, mais quelque chose de constitution. Mais il y a une constitution, mais on va rendre compte qui. Sa constitution-là, ils ont dit, il va protéger nous. Bon, nous, mais il a beaucoup d'exemples. Il a beaucoup d'exemples. Parce qu'il dit non, un paquet amendements, manipulation, constitution, qui fait qu'une constitution là va protéger nous autres. Bon, donne-nous rapidement, hein, on ne va pas trop rapidement. Dans la constitution 1968, ben, le père de la constitution qui prévoit 7 jobs, avec sa constitutional jobs. Ça, ces jobs-là, ce devoir, c'est protéger les libertés, les droits individuels des citoyens mauriciens. Qui va dire, qui va les protéger? Par exemple, il donne les droits, il dit par exemple, il a tout ça droit-là, ou il y a une limite d'âge, mais quand même, on pourrait se la même,
etc., etc. Alors donc, alors dans ce pouvoir-là, par exemple, il dit qu'il faut un commissaire de police, s'il est nommé, c'est pour être minimum de 4 ans. Mais ce fait apparemment, ce qui est maximum de 4 ans. Ça veut dire, commissaire de police, si on est bon du tout, vous avez le mot, vous avez le mot 3 mois, mais ça, ça va d'abord, vous avez fait détruire la protection qu'il utilise. Bon, maintenant, sa protection-là, et ça va une protection-là, s'il met ça dans la Constitution, après ça, elle explose, sans ça, il y a 3 fois des votes. Mais l'État est dans le pouvoir, il profite de ça, sans cette Constitution-là, il atteint le protecteur prévu pour protéger nous, je n'ai plus pour protéger. Bon, alors donc pour moi, celle-ci nous fait penser qu'il faisait faire une nouvelle constitution, hein, le plus d'accord, là, elle ne s'en fait qu'il n'a pas la tête pour penser qu'il devait faire. Nous disait encore une fois, bon, quand je rentre tout le monde dans l'italien, même un petit point pour vous sortir, nous disait prothèse, pas de protecteur de nos droits et libertés individuelles, puis d'enlever cette protection-là, vous disait réprotéger autres pour qu'ils soient capables de protéger. Bon, vous avez même pas l'exemple, en mais vous avez l'exemple pour montrer dans chaque section comment nous vivons les droits. Alors ça, nous pouvons dire là, nous posons sur la Constitution. Et donc, vous savez quoi, on dit là-dedans, mais vous pouvez dire là-dedans, pas de détail là. Mais à côté de la Constitution, dans la Constitution, il y a une partie qui appelle le code électoral. Le code électoral, ça veut dire qui manière fait un vote, qui s'inscrit au vote. Vous voyez, tout le système de vote. Il y a un système qui fait élection, etc., etc. Mais étant donné que nous avons rien aujourd'hui, il est vrai qu'il y a à tel moment dans notre histoire, par exemple, je peux penser, vous êtes protégés, c'était telle communauté. Vous savez, c'est une obsession-là, par exemple, dans une génération avant 68, nous sommes obsédés par cette question, si mal protégés, communauté, ceci, cela. Mais moi, mon pays, la société, moi, il est venu aujourd'hui, beaucoup de zen, là. La majorité, beaucoup de jeunes viennent. Nous, les gens, nous ne parlons aucune référence à une communauté, etc. Par exemple, moi, je ne parle pas à ce point, cela. J'en ai une raison parce que beaucoup d'enseignants vont dire, nous ne parlons pas de ça. Donc, alors, ce qui veut dire que ça code électoral de cette époque-là, même si c'est réunion à tel moment de l'année, maintenant, il n'est plus d'actualité, il n'est plus pratique, il n'est plus sensible. Bon. Alors, donc, on peut dire ça, en tant que constitution, je dis où, la décision, vous dites, mais, qui c'est ça? Quand il dit, pas normal ça, tout ce qu'on a fait là. Moi, c'est comme dire. Beaucoup de guerres de gravité, et ça, tous ces abus-là, parce que la protection qui nous tient là, à travers la constitution de la France, ça va être constant et cassé. Par exemple, elle ne peut pas ça là. Directeur logique, il dit, un document pour voir le dialogue régional, la mobilisation, etc. Qui veut dire? Après, il promet qu'il n'y a accès. Alors, donc, ce qui veut dire que notre nourriture vient, il y a un problème de mal institution, ou t'as déjà un rapport, c'est pas la même chose qu'il fait un rapport, mais ils ont dit qu'on a un problème. Il y a beaucoup de choses comme ça, et ce qui fait qu'ils nous disent une nouvelle constitution, parce qu'ils nous sentent que toute nouvelle institution est bloquée. Les institutions sont bloquées parce que nous n'appelons dans ce qu'appelle ça la séparation des pouvoirs. Donc c'est un même point, quand nous faisons une nouvelle constitution, nous introduisons ça là-dedans. Donc pourquoi on ne va pas pour un peu ça, simplement pour être dire. Nous avons beaucoup de raisons, on ne va pas commencer dans tout le détail, mais nous avons beaucoup de raisons pour dire que la constitution là est dépassée, nous est remplacée avec une constitution qui respecte les droits, qui protège nous, et ça nous est un code électoral qui permet nous aussi de répondre à ces vœux de cette nouvelle jeunesse qui veut dire nous aujourd'hui de parler comme journaliste. Et moi, je vais faire dans mon livre, je vais faire un projet avec le projet FRP. Maurice, pendant la 65e constitution, un candidat, c'est de ceux qui, dans chaque point bizarre, il a une autre sortie. Si on a 20 000 électeurs, on va faire des millions pour investir, on va faire le gouvernement, mais casse public pour faire une élection. Bon, voilà. Donc, c'est une proposition, on ne va pas dire ça, mais bon, c'est une proposition pour faire le débat de monde. Nous réfléchir, on dirait, il y aura un nouveau type de code électoral
une constitution qui permet à chaque Mauricien de capable d'épanouir et de capable de vivre dans. Toutes les réformes qui finissent dans, disons, nous prenons en Angleterre, hein, on prend, parce que c'est là, beaucoup de pays dans le bolchevique, là, ici, on prend l'Angleterre. L'Angleterre finit dans beaucoup de réformes, beaucoup, ben, parties, on ne peut pas dire, c'est un témoin de la révolution, mais simplement, on va dire ceci, c'est qui finit dans les années, au 19e siècle et au début 20e siècle, tout un homme politique se tient dans un groupe qui appelle Van Fabien. Bon, Van Fabien là se tient dans une relation, de, non seulement se fait réfléchir aux problèmes matériels quotidiens, la vie quotidienne de tous les jours, mais se tient dans une réflexion philosophique derrière eux. Et donc, mais il montrait qu'il manque une dose philosophique, respect de l'autre, une dose d'humanisme, manque une base de l'éthique derrière le mouvement, l'action de ban député. Alors, moi, on peut dire, si nous préférons une nouvelle constitution, nous disons introduire cet élément de moralité dans la politique. Je ne vais pas dire simplement parce qu'il y a la politique, pas simplement parce qu'il veut manger ça. Vous êtes besoin d'un cadre que vous sentiez, vous pouvez respecter au conseil respecter vous, et vous sentiez dans les rues que passer, vous sentiez dans l'harmonie. Si maintenant ça va du côté éthique, spirituel, dans la politique, si ça va inspirer avec un côté spirituel, moi, je crois de tout ça. Alors, excuse-moi, merci beaucoup, j'attends votre. Merci. Perversion dans l'institution fait de plus en plus, au fond, avec la participation de plus de 20 ans, ne pas quand des bulles, d'une façon, plus par l'institution, mais d'une façon, de faire de propriété privée, d'une façon, d'engager une mauvaise qui est bascule, ainsi, mais bien instant. Alors, ça, c'est tout ça même un travail que vous faites ici, d'une manière capable d'amener une nouvelle constitution, que les Mauriciens aient confiance dans ce pays, et nous retrouvons dans une république démocratique, que tout le monde participer. Avec ça, on passe la parole à Fabien, qui vous termine la conférence. Fabien. Bonsoir, tout le monde, camarades qui présent, et amis de la presse, et aussi. Pour saluer la présence de Ban parlementaire, Abdou Boulel, Ousmane Mohamed et Mouchard Levine, et aussi Ban ex-parlementaire, et la maman de nos amis, mon camarade de la coquille, Jocelyne Miller, et Ban ancien ministre. Donc, je salue sa présence parce qu'aujourd'hui, avant tout, c'est un moment des citoyens. Mais Ban parlementaire ou Ban ex-ministre ou ministre deviendra aussi des autorités. Automatiquement, c'est bon. Donc, nous, l'objectif principal, je vous dis le père François aussi, qui est là, donc il est intéressant, qui veut la presse société civile, plusieurs avocats, camarades d'avocats aussi là, un académique, cela va nous arriver, etc. Il est intéressant, camarade Manoa aussi, politologue, qui est très connu aussi présent. C'est intéressant, il y a un melting pot, plusieurs de nous, bien entendu. Donc, l'objectif de nous lancer ce livre-là, et qui je n'ai une copie, c'est, comment dire, vous voyez, souvent, même des gens qui, enfin, avec tout le respect pour les avocats, mais l'avocat n'aime pas tout, beaucoup, enfin, certains, elle a une tendance, comment dire, pour une espèce de monopole de la loi. Donc, et moi, et vous pensez, il y a une tabane qui est vraie extrême aussi, et même des gens qui sont non juristes, non avocats aussi, comment Jean Bisdal, chaque fois, je dis, Jacques, pour voir quand vous causez avec lui, à l'époque, bien longtemps, il y a un très grand lecteur à l'Université de Maurice, vous dites, Jacques, vous avez une maîtrise de leur travail, parfois, puisqu'il s'est un homme. Et le constitution aussi, quand vous causez avec lui, il y a un profond understanding. Moi, je ne sais pas, je vais faire la guerre, quand vous êtes venus ensemble, et il ne va pas se mettre facile quand vous êtes venus au courant, mais il est intéressant pour échanger. Pareil,
nous avons un petit livre qui est publié par le camarade Joseph Sandantin. Là aussi, quand on a un petit livre d'agence, nous disons, mais oui, pas plus différent, mais dans, si nous respectons la démocratie, un niveau, même si nous pas plus différent avec ce qui est écrit, ou ce qui se soigne bien dans les mains, ou pas nécessairement sur tout ce point de vue, mais dans une démocratie, une vraie démocratie, nous avons ça. Donc, mon petit présentation, d'abord, à l'institut dans l'histoire et les principes constitutionnels. Et en troisième partie, le plus important, pour les autres quelques pistes de réflexion, bien sûr, je donne un citoyen, je donne notre idée. Donc, l'histoire de nos constitutions. Là aussi, quand même nos constitutions, et là, beaucoup de monde, d'ailleurs, je pense que c'est dans cette explication, comme c'est dit, ça s'appelle Westminster Constitution. Et d'ailleurs, étonnamment, c'est un juge de la Cour suprême. Pour l'instant, il y a une faute de frappe, parce que c'est Westminster, la normalité. Donc, ça veut dire tout dire qui, tout le temps, moi, mon avocat, il a mis dans mal d'avocat, qui nous a créé un cours constitutionnel où ça va le juge là, pour le manque de respect, on va le juge là, pour se gagner un profond understanding, moi, dans l'aime, par exemple, pour nous dire un juge qui a une maîtrise extraordinaire de la Constitution et les lois administratives. Aussi, first and foremost, à cause de la petite loi suprême, section 2 de la Constitution, il n'y a pas de la loi ordinaire. Un grand philosophe, comme Hans Kelsen, vous avez bien expliqué ça, qui fait dans la pays la loi suprême du pays. Donc, à partir de là, nous avons une compréhension, c'est ça, nous avons envie de publier ça, faire cette publication-là, ça peut l'écrire. Donc, moi, c'est pour l'écrire, on a envie d'expliquer un grand principe constitutionnel, qui est là, la séparation de pouvoir, c'est quoi? Rule of law, c'est quoi? Et Jacques Tallerat fait bien expliquer qui Boris, beaucoup du monde pouvoir, qui c'est la British Constitution, non? C'est Westminster, veut dire, dans l'Afrique, après la first wave of decolonization, nous avons une série de constitutions, mais nous, le modèle est beaucoup plus avec ce qu'on appelle dans le Caribbean countries. Dans des coins Jamaïque, Cuba, Barbade, etc., etc. D'ailleurs, ça m'appelle là, interestingly, je trouvais qu'avant nous, zone apporte dans le réforme constitutionnelle, dans la commission constitutionnelle, par exemple, nous devons informer. La question se pose de qui? Est-ce qu'il y a des âges, on va dire, Narsinghen, Paris-Laridon, et la question de qui vient en bien de l'avant, parce que qui fait? Un parti politique, ça cause dans l'opposition, de dire oui, nous allons dans la réforme constitutionnelle, institutionnelle, mais elle ne fait pas le pouvoir, c'est parfait. Donc, quand je démissionne de notre responsabilité, vous pensez les citoyens, et là, elle devoit pour mettre la tête ensemble, proposer un document de ce récent, et de là, tout parti politique qui existant, parlementaire ou extra-parlementaire, a commencé par le RSM, le Parti travailliste, le PNSD, le MMM, et les autres partis politiques, pour tout M. Moulin de Moudatina, les autres partis politiques appuient de ça, par exemple, le même monopole, d'ailleurs, qui fait une rappelée. The People's Constitution. Là aussi, quand vous êtes l'histoire, de vous trouver qui. Et là, c'est mon modèle qui fait. Là, je vous dis, non, mais ça, c'est une constitution importée de l'Angleterre. Pas tellement vrai. Il ne faut pas trop nous faire black or white. Qui fait. Bon, c'est même sous constitution, c'est l'Assemblée de constitution. Dans beaucoup de pays, il y a l'Assemblée de constitution, peut-être un citoyen, un politicien, un juriste, un politologue, un sociologue, il y a ces ensemble, il y a une constitution. Mais Maurice, quand il y a la First Lancaster House Conference, deuxième Lancaster House Conference, il y a une occasion, le banque politicien chevronné à l'époque, c'est Sylvain Sagan, Guy Consumant, Jules Pénic, Soubdéli Simulien, etc., etc. Vous avez une occasion, participe dans sa banque conférence. Il n'y a pas une constitution qui existe, professeur Desmis, qui est un grand, un groupe brillant, qui décrit une constitution, c'est pas existe un travail qui va nous donner faire. Ce n'est pas nous sortir d'un extrême. Dans un autre extrait. Donc, la constitution, c'est un produit dans l'idée sur le débat mauricien, beaucoup de compromis, et là, il y a beaucoup de débat mauricien avant de trouver dans la constitution, de comprendre, et c'est un pays qu'on n'a pas fait trop comprendre. Par exemple, la constitution de l'Inde, la Cour suprême de l'Inde, ils les ont dit que ça, c'est elle, ce qu'ils appellent un package deal. La constitution indienne, c'est un package deal. Donc, il est important que nous, Mauriciens, nous comprenons que tout ce qui est là, la tête dans la tête, Jacques Bizan dans la tête,
ne pas créer la constitution. Nous disons pour, à l'époque, 68, il y a un temps de l'année, is that was a package deal. Et c'est ça qui la Cour suprême indienne, il stand up à plusieurs reprises, il dit à plusieurs premiers ministres, il ira vers lui, et ils ont dit, stop. Pourquoi qu'est-ce qu'ils ont envie? Tripoter sa constitution. Parce que dans l'histoire, quand il y a la séparation Pakistan, après Pakistan séparé du Bangladesh, et ça tout ça dans l'état là, qui est Andhra Pradesh, qui est Maharashtra, qui est Tamil Nadu, elle a une spécificité, ou pas capable, et dans l'Inde d'ailleurs, les bandes homogénées se sont. Et d'ailleurs, Boris aussi, quand vous lisez un article qui est écrit par le professeur Desmis, intéressant pour un camarade qui est présent, et dans le monde d'ailleurs, a lu un article en 68, publié par le professeur Desmis dans Modern Law Review. 68. Le professeur Desmis brosse un tableau extraordinaire. Constitutionalism in a plural society. C'est la référence, et vous avez souhaité, il va nous dire le premier ministre actuel, l'ancien premier ministre, même monsieur Béranger, même monsieur Amélie, mais le futur leader, nous sommes un leader actuel, il a envie d'aspirer à premier ministre pour remonter la plusieurs. Je très bien à l'article de professeur Desmis pour comprendre, notamment dans la thèse de la Constitution, mais le spirit behind the evolution Constitution. Et là, on comprend. C'est ça qui moi, pour prendre un bel utilisateur avec John, vous connaissez quand on veut prendre un bébé, mais qui va nous donner un bébé, pas me dire, bon, on va faire un bébé qui tout pardon dans la Constitution. Parce qu'il y a beaucoup d'affaires, la Constitution officielle, il permet de nous préserver la paix et l'harmonie, and like many other African countries. Pourquoi BLS, quand même, dans ce que nous assistons. Moi, je critique ça à plusieurs reprises. Dans mon enquête, là où on a une solution, pour pas que vous ayez en public, mais nous allons déposer devant la commission 5. Vous connaissez, ban africain, un scholar africain, ban académique, professeurs dans les autres pays d'Europe, vous êtes mesmerized, vous êtes ébloui devant sa mécanisme de BLS. Et pour beaucoup, c'est BLS qui n'est pas en paix Maurice rentre dans ban bagarre du Pakistan. Donc, à comme ça, on dit, quand on dit qu'il y a moins qu'il y a un bizarre, ou dans une de la salle d'affichage de l'humanité, et bien, citoyen Léo qui n'a pas eu l'occasion de venir, d'ailleurs, nous, maintenant, la radio de la diaspora qui a suivi ça live, donc nous saluons maintenant la radio de la diaspora, qui en était d'Australie, etc. Nous disons qu'on comprend qu'il, parfois, nous avons l'idée jolie, mais pas oublier ce qui peut être l'esprit, c'est de dire constitutionnalism, il est plural society. Donc, à partir de là, pour raconter une autre histoire, pour en 1725, première constitution française, montée, elle a un ups and flows. Parfois, elle a une consolidation de la démocratie, parfois, elle a une régression de la démocratie. 68, nous avons une première constitution, bien qu'il soit en guerre, mais c'était un paquet de villes, un politicien et une chose. Après, nous avons une série de réformes, par exemple, 82, elles ont des réformes qui sont apportées par l'UNE. Donc, on a des affaires d'objectivité. Par exemple, section 47 de la Constitution, il introduit d'une façon bien intéressante sa liberté de référendum. À mon goût, pas assez, mais intéressant, pour à jamais, c'est là, et là, on a pris encore, qui n'est pas capable, à mon section 1 et de section 57 sous section 2, on ne va pas avoir l'élection, et on va pas sans section 1 qui. De nous, Mauritius aujourd'hui est sovereign democratic state dans la République de Mauritius, puis subséquemment 1992, nous avons sorti de ce qu'on appelle la monarchie constitutionnelle, vous en avez plus. Donc, il est important de comprendre sa façon d'être sa manière. Et dans section, j'ai pour ça d'ailleurs, section 1, 2 de la Constitution, même de la Constitution au début, en 68, si vous avez l'impression qu'il y a une préambule, vous allez vider de tout sens. Ici, ça nous appelle philosophique, etc. Non. Là, subséquemment, dans le juge, il dit non. Ça a un concept démocratie, etc. Il a un sens. Là. Donc voilà, récemment, ce qu'on peut discuter exact, et donc on sait même qu'on va être aussi de l'autre aussi. Par exemple, dans section 1, est-ce qu'il y vaut la peine, dans une certaine affaire, nous overloader encore, et moi, vos façons de régler la loi, nous disons apporter un équilibre. Dans tout à fait, on n'est pas là, elle overdose, mais du mot pas.
Donc, titanité, façon de vous amendre en section 1 et 2 de la Constitution. Bobine de section 3 à 16 de la Constitution. Le human rights. Là aussi, elle a comment on dit diverses sociétés, section 3 à 16 de la Constitution, mais nous-mêmes voisins, notre équipe d'endroits, plus pauvres que nous, et là c'est dans le plan socio-économique de droite. On va dire dans le plan socio-économique de droite, mais j'aime les airs, mais dans le burden de l'État, non? Donc après, on est dit en termes de ce qu'on appelle versus diversus, c'est-à-dire qu'on est en responsable de l'État. Mais l'État, s'il a les moyens, par exemple, l'Afrique du Sud, par exemple, et là, ça va, c'est qu'on appelle dans le sujet de l'Ouest. Nous venons même d'avoir un camarade de votre région qui fait même Bangladeshi et de Tienambos. Vous n'avez pas nous une forme, vous avez respecté le droit de travailler à l'étranger. Mais d'autre part, dans tous les pays comme dans sa communauté, majorité pas de droit de vote avant l'étranger. Donc, un danger qui peut être trouvé, et si, dans divers politiques, au Parlement, par le ministre de politiciens, de sincère, immédiatement, on pensait dans sa section-là. Monsieur Pravin Zagna, monsieur Lannivan Blam, monsieur Javier Duval, et tout, monsieur Lannivan, etc., son ami de la dans le Parlement-là, immédiatement, je fais un business pour les gens, ça va là, et donner un droit, on va faire un droit unlimited, un droit à certains. Enfin, un droit à une proche famille qui font partie de la soirée, on vient unlimited droit. Avec le livre, non, mais certains citoyens ont un critère pour le devant de la Constitution, qui certains, par exemple, un du monde qui est dans la business Maurice, un du monde qui est 3-4 fois mort, vous dites au pied des comme ça. Donc, avec le titre, 4 du monde, il n'y a pas d'avoir voté dans Maurice. Mais l'espace étranger qui vous vient, vous manipulez l'élection, potentiellement, il est dangereux. Nous, on vient de parler l'étranger dans le propre pays, avec certaines tentatives, pas le primaire, on va connaître, mais ça vient de. Donc, comme on dit le président de la République, en deux sections, de la section 28 de la Constitution. Là aussi, à la barbite, il vient de le il prend peut-être une baisse, il prend une section qui est là sous le gouverneur général, et étonnamment, pour voir quel gouverneur général est là, il cite beaucoup plus qu'il a un pouvoir. Il a un pouvoir constitutionnel et institutionnel. Là aussi, gros erreur, le président est supposé d'être à bord de l'armée politique. Il supposait, ils étaient the guardian of the constitution. The guardian of the institutions. Protect rule of law, par exemple, Joseph Tshisekedi. Mais, un des présidents de la Ligue, il ne faut pas qu'on décide maintenant, pas en faire une controverse. Mais malheureusement, c'est un président, avec tout le respect, qui est très bon du coup du président actuel, un fonctionnaire, the spokesperson of the executive. Whether we want this type of president with important constitutional and institutional powers. Une réflexion à faire. Nous venons de l'exécutif, pas moi qui ai dit ça, Pierre Parquet, un grand constitutionnaliste en France, dire que dans le système, ce qu'on appelle le régime parlementaire, le Premier ministre, lui, il a pouvoir, on peut dire que l'on hein. Le Premier ministre a beaucoup plus de pouvoir que le président de l'armée, que le régime présidentiel. À ce qu'il y a, dans certains pays africains, là-bas, on a grosse route d'hypocrisie. On trouve un tolibère flamboyant comme Premier ministre, ou il y a des gens qui n'est pas trop charismatique, un peu caillère, comme on dit, dans le libéral, il dit renverse le libéral. Pareil, Adam Levy, Margaret Thatcher, même discours, un charismatique, John Major, il dit renverse. Donc, si on a une grosse route de l'opposition, donc il est important qu'il nous transitionne, comme une série beaucoup, comme une série ça nous va, transitionne en politique. Donne un bel évident cas pour ça, voilà, pour un leader traditionnel. Mais for the future, après 2024, parce que ce serait l'élection 2023 ou 2024, it is pas high time pour dire que vous faites deux mandats par mandat. Mais quand il sort une expression un peu, une jolie parole un peu vulgaire, et quand il s'en gagne leur pouvoir. Des fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, et quand on parle de vous, c'est quelqu'un qui a amené des paquets ou aller, stop. Il n'y a plus ça. Limitation du mandat, elle donne plus de réflexion dans le système parlementaire. Je suis pareil. Voilà le système parlementaire, de l'exécutif, l'ordre de l'institution, la Cour suprême. Le tout dédié à la Cour suprême. Moi, non. Avec tout le respect. Mais façon où tout judiciaire fonctionne. Façon où tout le représentant du DPP fonctionne dans la Cour. Ah,
pas joli, joli, vous mettez. Façon, c'est même, qu'est-ce qu'en disant, c'est dans, façon contestation constitutionnelle, contestation électorale, pour prendre 3 ans, 4 ans, façon un commissaire électoral, mais commissaire électoral, hein. La commission électorale, constitution prévoit, c'est président, donc il y a 12 personnes la plupart des fois, et donc ça va nous là, il va nous donner par million X, Y, Z, de telle couleur politique, au vote politique. Mais le commissaire électoral, il est nommé par judiciaire d'indigence de service à la commission. L'indigence, hein, elle nous excuse personne, il nomme le commissaire électoral, et le côté qui fait. Pourquoi M. Desmis, professeur Desmis, éminent professeur de Cambridge, il m'a réfléchi, qui fait un laisse le gouverneur général longtemps fermé, et le commissaire électoral lise the day-to-day running of the electoral, of the elections of the conducted under his authority, qui fait une fact judicial and legal services commission, PSA. Donc, il y a une réflexion, il m'a citoyen, il a réfléchi, comment vous capable, ensure, free, fair, and transparent elections of race. Il dépasse M. Jacquemin, il dépasse M. Damien-Ramoulin, il dépasse M. Ramoulin, ça. For the future generations. Donc, si il y a même ça, man, réforme, it's for the future generations, not even for me. For the people. This is why it is the people's constitution. Donc, ainsi, même les judiciaires, rapport Macaille, il dépend beaucoup de gaz. 10% de rapport Macaille est répondu. Le système de justice, la lenteur de sa système de justice, pas mal de crimes à l'ouache. Il y a un diable, on a même beaucoup la vie de l'Ouan. Le l'environnement, pendant l'environnement, est une division of the Supreme Court. Catastrophe. Pire qu'avant. So what? Cosmetic changes? Or do we want real changes? Donc voilà. Donc, la modalité de sa proposition d'une nouvelle constitution, ou de amended constitution, elle a certaines affaires bonnes dans la constitution là, vous avez préservé, mais ben, le citoyen, vous avez réfléchi, pas qu'il y a rien définitivement, bon, le mec, il va être en Jack, il va même prendre le temps. Mais nous avons le temps des gens avec un intimé, des sacs, des mobiliers, etc. Voilà, nous avons un petit outil pour travailler. Mais je, modalité, je viens, nous avons envie d'un climat syndical, invite tout parti politique, peu importe le couvert, faire une soumission à un débat, et là, on a des commandes techniciens, pour le moment, il y a un d'avant, il y a moi. Bon, bien sûr, Jacques aussi, un camarade historien par les liens, un camarade, les autres camarades qui nous ont repris, un avocat qui a une passion pour la Constitution, et puisqu'il y a des camarades avocats, on va dire dans l'état de là, mais encore, Pamadi, Kambi, et Mélia, etc., dans le droit encore, c'est là aussi qui se sonore les juristes en même temps. Donc, il met tout du monde en bas, dans 3-4 mois, nous prenons tout, parce que c'est vrai que c'est People's Constitution, l'idée vient du peuple. Cette fois-ci, nous assisons notre strike and balance, un équilibre. Il y a pour autant un grand philosophe Roscopan qui dit, on n'est pas un juriste, un technicien, il prend comme tout, il est perdu. Il y a une demande citoyenne, une strike and balance. Nous faire un new passage deal for the Mauritian society, for at least for the next 50 years. Donc on voit que là, le temps est en train. Merci beaucoup de votre attention. Bon, maintenant, merci beaucoup pour votre présence. On présente un texte qui est là, il n'est pas prêt en pleine question d'interaction. Il y a lié à portière, ça, quelque chose de ça. Il faudrait qu'on voit un point, un mois assemblé, et que je suis assimilé là-dedans, de comment se préparer la toute la vie. Il y a une barre combien, c'est vous. C'est un panel qui est très bien constitué parce qu'il pénalise un juriste là-dedans.
surtout ben du monde qui étudie l'histoire et la politique. Qui... Oui. Bonsoir à tous. Donc déjà, bravo pour l'initiative. Donc Pena, juste ben juriste sur le panel, ce qui est très 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 positif parce que la plupart des politiciens pensent qu'ils sont avocats, ou ça juste qu'on la loi, alors que c'est vraiment pas ça. Donc là, nous trouvons que l'histoire, justement, qui est très importante, la politique, l'histoire de la politique, très très importante pour connaître qui, à ce moment-là, qui va nous citer, qui fait ça à ce moment donné-là. Et c'est une petite peut-être remarque, c'est que, bon, c'est vrai qu'ils ont pu faire ça pour la nouvelle génération, mais peut-être qu'il faut quand même introduire un peu de la nouvelle génération dans l'idée. Comment est-ce qu'il Ban Ki-moon, qui étudiait peut-être la politique, qui étudiait l'histoire, l'économie, etc., capable d'avoir ban l'idée, aussi ban spécifique, comment pas avoir ban l'idée là, et aussi Ban Ki-moon dans la diaspora, me trouver, dans Internet, je vais demander comment je suis capable de participer, parce que c'est très loin. Tous les moyens de communication, c'est-à-dire en écrit, mais tous les moyens de communication. En tout cas, donne email là parce qu'il y a un monde qui peut suivre en live. Non, parce qu'il y a un monde qui peut suivre en live. Là, et... Ok, c'est bien le même. On va nous payer ces mondes de ici, ou de la diaspora, à mesure des lois de préférence. Et deuxième, je ne peux pas vous donner 5, les autres bandits débat dans 5 points de l'île, dans le nord, dans le sud, au centre, en gros. Et aussi, pourquoi que la première adresse, oui, voilà. Donc, dans le livre, nous capables aussi mettre le de nos belles sites bientôt, et nous mettre tout, mais l'adresse dans le plan des camarades. Et aussi, il n'y a pas de groupe commandant restreint, mais votre monde, nous, qui a des idées, bien sûr, de pouvoir être en groupe pour gérer le groupe, et bien sûr, vous sujet à l'approbation du groupe, d'une façon démocratique, ou les autres groupes, j'aurai une seule envie de faire le fil de la capable de faire le temps. Voilà, les robots sont comme. Parce que moi, si vous voulez déroger un peu à monsieur Tanville, à piquer la question, mais puisque la diaspora concernée, j'ai pourtant réagir vite, nous aussi qui va bien nous dire, est-ce qu'il peine le risque, comme il dit, un type de Mauricien qui est à l'étranger, qui a voté s'il y a la vieillesse de Maurice, etc. Est-ce qu'il peine le risque qu'il nous retourne vers. Ce qui s'appelle le vote transitaire à l'époque, que 10 bandes du monde qui tient à casse, bandes du monde qui tient à l'identification, qui fait pas tout le monde, tout le monde qui tient à il fait faire sa distinction entre bandes qui tient à l'abusé, terroriste, bandes qui viennent aussi souvent, etc. Bon, moi, mon cas, moi, je dis ok, il est comme ça, mais je vais vivre, c'est le partage de l'opinion. Aussi, il y a un problème aussi, il va prendre les balades, moi, je écoute beaucoup, Mauricien, je vais dire ça. Beaucoup de Mauriciens qui restent là pendant le résident à Brest, mais je ne suis pas capable de dire à des gens à l'étranger qu'ils n'ont aucun lien, aucune connexion émotionnelle, physique ou autre, pour voter des balances de vote. Bon, ça c'est pour les plus autres, pour les étoiles. Moi, on va respirer au cas, bien sûr, dans notre proposition, et c'est bizarre pour les autres, dans éventuelle proposition de constitution, par exemple, dans l'organisation internationale, qu'on a version number one, version number two, version number three. Il vous in brackets. Les brackets, ce n'est pas stabilisé, mais c'est pas nous c'est une et valette. Donc, moi, on peut donner l'opinion personnelle. Donc, il y a une autre proposition, c'est qu'il y a de nous dire, du moment qu'il est un citoyen mauricien, qui doit avoir un citoyen mauricien, le même droit. Ouais. Si vous êtes avec toi, parce qu'il y a une voix, il y a une voix structurelle, ou une voix constitutionnelle. Il est évident qu'il. Comme il y a 6 camarades qui déposent l'initiative pour suivre un noyau. Il n'y a pas beaucoup plus que 6. 6, mais nous prenons 2 noyaux pour voler, pour qu'ils nous capables finalement d'écrire la constitution. Il est évident qu'il y a une opinion divergente, mais en ce qui concerne la citoyenneté. Et c'est là que nous avons nos systèmes référendaires. Et c'est là que c'est le peuple qui décide. La question que vous avez posée, il y a 4 types de référendums que vous pouvez faire, un référendum indicatif par exemple, que pose la question de la population, que laisse la population, donne des indications. Maintenant, dans le monde actuellement,
Beaucoup de gens n'ont pas pensé qu'il est encore dans l'étape après 1917, avec deux mondes différents, un communiste, socialiste, l'autre capitaliste. Aujourd'hui, le monde, c'est deux blocs capitalistes qui fait confondre l'autre en lui-même. Deux blocs capitalistes, tous en pays qui socialiste, etc. Là, résiste quatre. Résiste la Chine, la Laos, Vietnam et peut-être la Corée du Nord. Et dans tout ce même pays-là, vous voyez combien de multimilliardaires il y en a dans l'Assemblée chinoise? 88 multimilliardaires en dollars. Donc, c'est un monde dans le monde qui nous peut faire là. Hein? C'est un monde qui peut désocialiser le travail, peut libérer les forces de production, faire des marchandises à travers toutes les frontières, excepté l'être humain. Excepté l'être humain. C'est-à-dire les frontières qui existaient, il y a une frontière qui, contraire à mouvement politique et mouvement économique qui peut traverser dans le monde. Quand vous pensez qu'on nous permet de s'adévaler ici dans Maurice, ouais, d'une façon contradictoire, mais certes, quand le document-là sorti, disons l'autre citoyenneté, 3-4 propositions, mais moi, je viens de dire, tout le monde peut exprimer sa position. Et finalement, vous savez qu'éventuellement, ceux qui pourraient prendre la décision pour mettre bout à l'Assemblée constituante et décider pour finir une nouvelle constitution, et la majorité des causes pour une nouvelle république, vous devez faire attention avec le terme nouvelle république. Vous devez rendre une nouvelle constitution, une deuxième république, quand la république pour finir, vous avez réfléchi pour une société post-républicaine. Donc, c'est pour ça qu'avec dans une guerre de time frame, mais nous avons un problème dans la méthodologie pour qui tout le monde pour vivre dans ce qu'il nous devait faire. Parce qu'il n'y a aucune personne qui nous dit qu'il nous sera assignement. Un exemple. Aujourd'hui, nous avons un délit. Nous avons un seul livre publié avec mon cher ami Le Vert, qui figure dans une cellule. Une fois la décision, est-ce qu'il n'étant pas d'accord, vous pouvez être ostracisé ou les immunes expriment-les. Très probablement, le contenu du texte de Le Vert, pour la cause du trois points, même si c'est ça, pas tellement le même nom de l'homme, ok, donc c'est une interprétation, mais ce qu'il devait proposer, il propose un rejet des 60-0. Et qui parmi eux ici, ok, d'accord avec un système 60-0, des fois nous n'y avons pas d'histoire. Et nous comptons les résultats. Donc, il soutenait l'idée qu'il y a, qui partageait par, pourquoi pas, puisque la majorité de la population, on ne voulait pas nous faire une crainte, tout ce qui nous pour emmagasiner, d'ailleurs, une de ma responsabilité, nous voulons un petit noyau de nous tout répertorier, tout ce qui rentrait, il va faire un travail amateur, ou qui a des noms de dé, un screening, qu'ils soient un camarade à l'étranger, qu'ils soient l'étranger, qu'ils soient l'étranger. Moi-même, tout le monde disons, moi, je suis déjà dans l'Israël. On va dire par exemple, un Hollandais qui est Maurice, il a la fiche, est-ce qu'il n'a pas un droit, qu'il a un droit, qui, les descendants, un jour, un droit, et Maurice, et même être un citoyen maurice. Moi, jusqu'à là. Parce que je suis pas d'accord, moi, avec ce qui va passer en Europe, une frontière artificielle pour traiter du monde d'immigrés légaux, d'immigrés illégaux, tout ça, il faut traiter dans la France. Moi, je dirais du monde, ok, il y a 6 camarades, à moins qu'il y ait un indicateur parmi nous qui n'est pas démocrate, pour ne pas parler. Quand tu as un camarade qui parle d'un normal, très important pour sa communauté là, il n'y a pas qu'à ça. La quelqu'un de la diaspora, M. Sam Mingri, du Canada, qui vous envoie. C'est ça, bien. Bonjour à tous. Merci pour recevoir la revue. On s'attarde là. Moi, c'est Sam Mingri, et nous avons des gros demandes du long sur le diaspora. Et son président Paul Gendarsen, malheureusement, pas tard à la sortie. Et nous, j'en exprime, surtout nous,
Puis penser avec le monde de la diaspora qui identifiait comme une valeur clé qui pouvait vous penser tenir à l'avenir et qui peut peut-être payer à d'autres. Donc nous, dans le travail, nous identifions vraiment trois valeurs. C'est la justice, l'inclusion et la méritocratie. C'est le team qu'on appelle JIM. La justice, avant tout, ça continue de prouver que vous pensez qu'il y a un sujet extrêmement important. Et puis, pourtant, ce n'est pas valeur qui est traité dans la Constitution. Aujourd'hui, la justice, on y trouve le système judiciaire, malgré la bonne volonté de tout le monde qui est impliqué, de prouver que la justice, aujourd'hui, n'a peut-être pas desservi à Maurice, et il n'a pas dit qu'il est au-dessus des lois. Et la justice, malgré ce point de volonté, on n'a peut-être pas fait travailler là. Et ça, on pensait bien content parce qu'il y a beaucoup de frustration dans le populaire. Parce que, justement, le sens d'injustice, c'est un coup de guerre. Qui va servir pour que les choses puissent avancer, vous pouvez vivre avec ça. Donc la justice pour nous est extrêmement importante. Après les causes d'inclusion, l'observateur a senti qu'il y a beaucoup un groupe vulnérable de Maurice qui passe en seul à inclure dans le processus démocratique. C'est-à-dire qu'une État mauricienne peut fonctionner avec une population qui est là, un grand segment de sa population-là, de son seul aliéné, disenfranchise, pour le dire, ne pas sentir que c'était notre mot à dire. Et ce qui fait que beaucoup de la population aujourd'hui se déroule dans un système, dans une économie parallèle, parce que la confiance en l'État est dégringolée. Donc l'inclusion de tout le monde dans la société mauricienne, on pensait une clé allant de l'avant. Et finalement, on met de l'avant la méritocratie. Aucune société, depuis l'époque qui est banditoire, n'a mis la méritocratie de l'avant. Pour un meilleur système, pour être malgré tout, tu peux protéger ta marraine, ta famille. La méritocratie, c'est vraiment peut-être l'indicateur premier d'un État moderne. Aujourd'hui, comme le dit l'État, les Maurice, du coup, que la méritocratie va être primée, de coup, l'institution va être bloquée, et va être capable de continuer de penser à la méritocratie, il va être pas l'air clé, qui, encore une fois, va penser, autant nous, au niveau de la diaspora, pour refléter dans la nouvelle constitution. Parce qu'on pensait une constitution à la base qui basait sur une valeur. Et donc, peu importe la constitution d'un petit pays, qui basait selon une valeur, il fallait la population décider d'en vivre sur la vie, d'en vivre sur ce pays par rapport à ça. Donc, nous militons pour le type de désir qui, de groupe qui fait faire ce travail-là, prend en considération sa valeur-là de la justice, la culture, la méritocratie. Et votre envie aussi, peut-être, demande le panel. Si dans la nouvelle constitution au pays ou non, est-ce que le vote de la diaspora ou l'implication directe de la diaspora pour ne pas faire sa contribution, est-ce qu'il faut refléter dans la constitution là une question que vous pensez est très importante? Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Salut. Initiative, une très bonne initiative. Moi, ce que je tire de la notion que nous allons parler, au-delà du timeline, la méthodologie et feuille de route qui se pénalise. Pour le fait pour différents partis politiques, on travaille sur la même semaine, l'autre, comme ça, la halle, il est là, bien sûr, réforme, proposition de la réforme du système électoral. Et du général par personne pour une dernière réforme électorale. Moi, c'est mon devoir des maires. Et il faut que j'appelle les vrais 26 heures au niveau du parti, qui, quand même, est une volonté au sein de tous les partis politiques, le Parlement, qu'ils aient une nouvelle constitution. Au-delà du travail que vous avez fait à Bata, à Justice et à la région, quand même, un travail de 2 ans, pour vivre la pandémie, mais quand je finirai le travail, parce que je n'ai pas mal, Wakam qui, bien sûr, de vous demander, qui disait, et même personne qui vous préside, un comité avec l'objectif qui est là, une nouvelle constitution, tout comme Kenyan fait. Parce que quand Kenyan fait un lit, ça ne prend 2 ans, et dans l'écoute de tout un chacun. Et Maurice étant ce qui était, le bon ben qu'il porte, pour rappeler dans quel pays un peuple indigène. Le droit à la différence est toujours là. Et le
voulais nous parler d'un pays, il y a un changement démographique et qui est fondamental au changement qui nous a amené dans nos constitutions. Nous ne pouvons pas vivre avec le même système électoral, avec le même système de banlieue. Ça, elle va. Deuxième affaire, aussi, bien sûr, en tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères et un de la témoin privilégiée en savoir de faire un plan, on discute avec le gouvernement, on discute privilégié pour les jeunes, 2014, et vous venez à Maurice, le corps qui tape jusqu'à Ferry. Et, hein, on les voit, je vais vous dire, ok, man comme du ciel, avec tout en partie, mais tu ne peux pas. Mais la bêtise, c'est une tu causes un système résidentiel. Le pouvoir d'une personne qui est résidente sans être plébiscité par l'électorat. Et tu connais un pouvoir additionnel. Donc, à l'aide le président du jour où tu vois Treasury Building, on est là, tu vois le Parlement, tu fais une intervention. Et je me rappelle qu'en première réunion, moi, j'ai la main de Béchou et tu dis, j'ai la réunion et MMM, j'ai la Galou et Bagua. La première réunion, c'est le Human Service Plus. Et quand nous me causons avec les personnes, c'était une confusion totale dans l'absolu. Et l'électorat, donc, t'es bien le tourné comme ça. Il est un PG. Et une et en même temps, c'est pas nous dire que la loi est sacro-sainte, la constitution valorise ce sacro-sainte. Qui nous gagne ça après Rodin 48, un paquet, mais quand même une seule purpose. Mais en même temps aussi, c'est la personne qui applique la loi. Sinon, de l'eau, ça nasse. Et ne pouvait pas marcher s'il n'est pas appliqué d'elle. Là, de quoi prêcher. La séparation du pouvoir, je me rappelle pas si on est éjecté dans le ramblin du Parlement. Quand même, le judiciaire, c'était la fierté et la qui valorise sa séparation du pouvoir. Et avec, je me rappelle, le mot de colonel de base. Mais nous fait trouver, avec ce gouvernement, public prosecution commission, parce que l'ordre politique de l'exécutif. Et ça, c'est une culture de recul. Tout est perdu. Nous faisons trouver la gouvernance qui intervient de l'opportunité, il ne faut pas avoir destitué de n'importe quoi. Alors, soit nous faisons une constitution qui nous disait, c'est nous qui l'approprions de sa constitution. Là, pour le travail que nous devons faire, nous devons faire un bon travail, nous venons, nous soumettons une proposition, et en étant voulu, mais nous disons quoi, quel lien faire avec un président. Avec un panel, ok, au-delà de ceux qui ont la connaissance légale, ok, un ligne 2 de ce qu'ils ont envie de faire, et nous prenons les temps qu'ils aiment, mais c'est mort, des institutions qui, à la républicaine, mais qui appartiennent à la population mauricienne. Et c'est ça qui est important. Merci. Il y a deux questions. Je voudrais répondre aux. Une première question, est-ce que sa commission, sa comité de travail là, il peut satisfaire uniquement de créer une nouvelle constitution et pas dire qu'il y a une procédure, qu'il y a une modalité pour que j'ai qui met en application. Il est évident que très probablement la nature pourra être texte qui contient un projet de constitution, mais aussi un texte qui vous dit qu'il vous fait après. Deuxième élément, le code 2014, régime semi-présidentiel ou quasi-présidentiel. Quand on fait le rélevé dans le monde, on a une société, on a un pays qui a une constitution parlementaire. Donc on a un pays qui a une monarchie constitutionnelle pour l'Angleterre, un pays d'Europe, etc. Et donc on a un régime présidentiel. Et bien, le régime présidentiel, c'est un pays qui, pour la presque totalité, il produit un petit capère. Et il y a une affaire qu'il faudrait qu'il ne connaisse pas, nous réfléchissons,
Est-ce que nous pourrons dans un système de régime présidentiel, république, nous attirer les leçons de tout, quoi ça, de tous les autres pays, parce que hiérarchiquement, tu as un régime parlementaire, tu as étonnamment une monarchie constitutionnelle, et en troisième lieu, tu as un régime présidentiel. Alors, nous ne pas guettis nous-mêmes, nous avons un peu qui passé en Afrique et ailleurs, dans les Latines, etc. Ce n'est pas du joli joli. Hein. Bonsoir, je veux une inscription et ça a le travail colossal que c'est une abattre scalaire qui en pourrait la faire. Vous pensez qu'il n'y a pas de philosophie, discuter dans un tas d'affaires, dans un tas de temps et dans un tas d'idées. Mais moi, mon principal concern, c'est comment on peut implémenter ça dans la pratique. C'est-à-dire, bon, demain, ça constitution même pareil. Si vous comprenez dans les lois mauriciennes, vous avez un rapport majorité. Nous sommes en constitution. Et comment je pense tirer qui ça document ce projet-là, pas parler d'un tiroir, et qui sera pour capable de défendre ce principe que vous mettez dans notre constitution. Est-ce que vous voulez une de deux, ou est-ce qu'il va une partie politique pour prise là-dedans, pour ce cas, mettre ça dans un programme pour éventuellement le réglementer après. Merci. Parce que normalement, quand on nous dit qu'un sens va poursuivre l'histoire, il y a des paquets de l'État. Il y a un certain nombre de réfractaires, les réfractaires, à la limite, c'est assez affarité, nous disent que c'est bien ça. Normalement, ce n'est pas comme ça qui est arrivé. Les réfractaires conjecturels, jamais un sens va. Et souvent, ces réfractaires conjecturels, ils pensent que c'est tout. Et ça, c'est arrivé, mais c'est moi qui ai le travail pour faire. C'est pour capable de répondre aux gens. Un point qui s'est document-là sorti du peuple, des autres, différents endroits, différents villages, différents travées, différents partis politiques, différents ONG. Donc, le comité qui l'a, je vais être capable d'élargir aussi, ni pour là, même par la technique, concernant la proposition. Et qui l'a sa idée, par exemple, l'autre affaire, par exemple, est-ce qu'il va nous assurer capable de voter de façon blindée? Tout du monde de la diaspora qui a voté, ça va peut-être qu'on a deux propositions. Et c'est ça qui nous a dit, une bracket force. Et de la même partie politique, éventuellement, si après 2023, si nous aussi avons dit avant 2023-2024, une partie politique qui pourrait lancer majorité de 3 camps, mais c'est pas là, moi, mon opinion personnelle, que les gens de partie politique là, on ne veut pas prendre qui va être soumis, c'est tout, il y a beaucoup de choses qui vont dans la constitution là. Quand il présente ça, essentials of the Westminster system, pas nécessairement pas le système présidentiel ou celui présidentiel, mais il y a un affaire fondamental qui nous a sens. À partir de là, vous pensez ce qu'il vous avez, et là, vous n'avez pas ce qu'on a fait à l'homme. Si quoi que ça vous tranchait, entre sa formule qui Henri, Marie Le Coupé proposait, et moi, mon formule. À ce projet, ça, nous retiendrons ça des formules. C'est pas particulier pour vous, mais pas accroché. Vous êtes d'affaires médicales, ça. Là, si vous mettez ça des propositions là, c'est ça qui passe dans même plusieurs pays, et là, un référendum, le peuple de son majorité, ce n'est pas M. X, Y, Z qui vous choisit, c'est le référendum, la voix du peuple, qui vous choisit, est-ce qu'il proposition Henri Marie du tout, ou sa proposition d'enseignement, qui vous passe d'une façon démocratique. Non, il est possible, tu veux je ne voulais pas débattre à l'Afrique. Qui m'a aidé? Qui m'a aidé de bien là? Exactement. Parce que je vais faire un travail, pour remettre ça demain, une fois qu'il y a un consensus au sein de la population, qui est tous les partis politiques, nous voulons un timon qui fiasse l'indépendance. Qu'à créer confiance et résine comité qui pourrait être encore à l'écoute de l'électorat. Je fais un travail de fond et je vais soumettre ça à sa comité. À sa comité. C'est ça qui. Le point, c'est que la situation, la société va évoluer. Partout dans le petit coin, partout nous mettons bien quelque chose. Alors nous, vous connaissez, je crois que ce observateur a bien raison. Pour refaire sa constitution, vous dites, madame, vous dites, mais moi, pour faire confiance à l'évolution de la société et dans le mouvement
de conscientisation qui est un peu partout dans le monde. Et à ce moment-là, nous, nous fûmes préparés le document. Et dans le document, les lacs, il y avait déjà fait quelque chose. Ça, grand courant qui pensait déjà les réformes là, il y a déjà une matière qui servit, qui travaille pour améliorer cette nouvelle constitution là. Donc, il faut faire confiance à l'évolution de la société. Quoi. Ma chose, je vais te dire, à moins que vous dire, bon, faire une état et tout ça. Pour présider un comité. Et en même temps, avec une assemblée constituante. Lesquels nous, d'après ce que nous comprenons, la plupart d'entre nous, on avait une assemblée constituante. Donc, on a plusieurs individus, plusieurs secteurs, etc., plutôt qu'il y ait une grande magnitude qui vous décide. Non, mais dans l'assemblée constituante, normalement, quelqu'un peut être politique. Oui, c'est clair. Mais si vous avez un politique, on est là. Non, c'est bon. Il parle, en réalité, il y a un consensus. Après, un procès d'élection. Ce document-là, il y a un document de base, qui vous servit. Et une assemblée constituante, justement, présidée par une personne indépendante, avec pas tout seul. Et là, on a 5-6 groupes ensemble, dans un espèce. Il n'est pas nécessairement qu'ils si ça après une révolution ou après une crise. Et qui mettait l'Assemblée constituante. Il y a plusieurs pays, il y a plusieurs modèles dans Barbade, dans Kenya, qui mettaient l'Assemblée constituante, justement, un travail de réflexion, plusieurs voulaient faire, rassurer par la République. Je suis là, monsieur le docteur. Vous parlez de monsieur camarade, vous préparez, s'il vous plaît. Gatia. Là, je peux faire un travail énorme. Salut. Salutations, chapeau à vous. Moi, j'ai un problème. Aujourd'hui, le parlementaire de ma partie politique là, je trouve que je suis en train de me faire encore bien. Avec votre camarade Osman. Ce travail que je vous fais là, je vais dire le voile 4 décembre. Moi, dans mon tête, si vous écoutez bien, actuellement, on était dans Maurice, nous dans la veille élection. Prenez-vous ça. Jusqu'à ce pour faire une proposition, il y a jusqu'à décembre ou au-delà, moi, j'ai 7 points très sensibles qui débutent 75, la grève étudiante qui m'a été président de l'État, c'est aujourd'hui pour la guerre. Dans le cas, j'ai une cause, l'aide, quand on a signé une cause l'aide et les autres. Elle est dans la Constitution quand il ne fait pas un bêteur. Tout le temps, la question, il dit « Who will judge a judge ?» Donc, moi, je connais un problème. Sans préjudice à qui que ce soit, il peut saisir dans la justice. Disait qu'il est bien dans la nouvelle constitution, qui nous peut faire ? Alors, ça va me dire là. Mon pape dire, il m'a dit « Je ne peux pas faire le travail. » Deuxième point. Parti politique, j'ai dit, quand je suis dans l'opposition, un langage très poli, batterie, pas de problème. On va faire plus de qui là. Mais le blanchissement l'argent par le parti politique qui nous fait dans la nouvelle constitution. Mon troisième point. Jack, pour rappel, l'ITRA, qui système la guerre, qui commande une faire, lui-même avec les autres, pour nationalisation des mêmes institutions, vous autres. Qui est le parti politique actuel qui est dans l'opposition qui peut faire avec ça? Sorti, nous la guerre depuis l'indépendance. Avant l'indépendance, le welfare state. Conquête sorti, welfare state, qui parle de welfare state. Dans Covid, qui vient d'arriver. Qui vous fait avec l'opposition et les autres parlementaires qui ont envie, dans le nouveau gouvernement, qui vous fait. Mon la guerre depuis 1976, mon zuel SSA. Mon zuel SAG. Mon zuel docteur dans les ambulances. Pourquoi les politiciens ont peur, vous direz, qui va ne fonctionner pas capable pour ce candidat dans le municipal et dans le ministère en ville? Jamais parmi les assassins. Qui résout ça? Dans nos constitutions, nous avons cette solution-là. Une autre affaire, moi, je me déposé dans des banques pour l'Assemblée. Lui-même expose sa vie, moi-même expose sa vie. Mais aujourd'hui, un raconte payé par le fonds public, camarade. Aujourd'hui,
il est encore dans le tiroir. Et mon dernier point, l'autre aspect très sensible. Rodrigue, la Réunion, Diego Garcia, tout ça va le pays là, c'est République Maurice. La Réunion, excuse-moi. La Réunion. Merci. Comment tu vas dans la conscience, la tête, les peuples, et Zodi, quand tu vas connaître les secrets, comment tu vas accepter ça dans un pays Zodi dans Maurice? Ça me fatigue, vous avez un leader politique et vous souhaitez une nouvelle constitution, vous avez tout ça. Merci, mon Edlon. Sorry pour les envies, c'est un peu de caractère. Merci, vous avez. Je n'ai pas envie de déroger ce qui se dit prévoit comme modalité de participation de l'assistance, mais quand même, vous pouvez me dire, prendre la parole, des points d'attention, des causes d'un impôt constitutionnel, puis d'un conseil constitutionnel. Aussi important. Et deuxièmement, désolé, tout ce que je veux dire, by the people. By the people, c'est qu'il prévoit déjà dans la constitution, gouvernement local, collectivité locale, il confisqué. Tu fais pareil si l'élection générale, donc pratique dans la constitution depuis 1982. Alors que le média fait les peuples participer, vu sa gâchette, sa décalage, sa coupure, la rupture qui est là de plus en plus croissant, grandissant, entre électeurs, donc tout ban, comment on appelle ça là-bas, détenteur du pouvoir démocratique, à la tête du pouvoir démocratique, qui est de plus en plus désabusé. Comment amène sa conversion de mentalité en train d'imoun pour vraiment y participer, qui s'avère réussitement, ou nous capables, comment est-ce que la petite ça avec les camarades, si nous avons toutes les chances de nos côtés pour une participation démocratique et une délibération démocratique, qui moyenne de nous, surtout quand nous trouvons ce qui est collectif de l'économie. Si tu dis, ça ne t'en pas, tu vas te rendre l'élection village, et après, il y a les autres militaires au PA, tu dis, motivons, finis, etc. Alors, dans un des contextes. Alors, comment nous vraiment mettre power, ce qui est supposé être empowered, pour faire prendre en main sa débat-là et approprier la délibération démocratique. Merci. Merci. Bonsoir. Et d'abord, nous avons félicité le panel. Et remercier de tout ça l'initiative qui se prend là, une excellente initiative. Moi, je voulais passer cette petite proposition, vu les observations qui me tendaient, mais aussi vu les recherches qui souvent ma collègue des universités m'a même pu faire. Je trouvais qu'il y a une ignorance, mais c'est bien le mot ignorance, d'une grande partie, non pas de tout du monde, mais d'une grande partie de la citoyenneté mauricienne, de bande jeune, de bande étudiant. Qui n'a aucune connaissance, qui n'a aucune politique de la ONS, qui n'a aucune connaissance sur la Constitution. Et là, il y a ce qui nous veut dire qu'il nous est capable de revoir, changer une Constitution, revoir, qui est une excellente initiative en tant que quoi, de time is right. Mais moi, je pense que nous, en tant que citoyens, qui connaissent Dieu qui mandate, ou maintenant, ce qu'il y a, qui mandate, ce qu'il y a. Je pense que le mandate, c'est le mandate des citoyens. For the people's constitution. Nous, tout le monde a la responsabilité là pour capable de décentraliser, vulgariser, engager un débat. Moi, je vais vous dire que tout parle ONG, et certainement, vous donnez un coup de main du pouvoir en tant que représentant de certaines ONG, vous pouvez avoir une proposition en tant que chercheur, mais en tant que ONG aussi. Nous pouvons avoir une proposition et nous a souhaité capable d'organiser ensemble avec eux certains débats profonds. Donc, peut-être certaines thématiques plus capables d'engager, ou en, pas d'engager, mais engager dans une société mondiale, mais en même temps, on débloque sa situation qui paraît un blocage. Parce qu'il faut penser, il peut être prématuré pour nous dire, nos pensées, hein, c'est mon humble avis, il peut être prématuré pour nous dire, mais qui s'en a qui peut dirige ça, qui s'en a qui peut préside ça, l'Assemblée constituante, qui est sa panel-là, il est prématuré.
l'exercice a commencé, mais vous êtes donné un coup de main, si vous croyez là-dedans, et donné un coup de main dans certaines démarches. Et tout de suite, pour profiter, c'est-à-dire que je suis avec Jacques, avec Rachel, avec Anthony, prendre le camarade, on vient organiser des débats avec ce rapport, bien sûr, lors la question de l'insertion des droits socio-économiques dans la Constitution. Il paraît une affaire, mais c'est extrêmement important, valeur toujours que nous n'avons pas. Les Canadiens, nous, peut-être qu'il y a une crise, qu'il y a une assemblée constituante, mais pourquoi nous désapprenons une multiple crise? Et pourquoi ça va crise qui nous délivre la manœuvre de la crisis politique, économique, socio-économique, internationale? De temps en soir, Henri Ferry, et certainement, je te raconte, nous avons un camarade de Manoëtchi qui donne un coup de main pour amener tout ça que l'expérience qui se met ensemble là pour vulgariser et qui nous capable de discuter et pour la voir à venir. Merci.